Mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne de ML Prod, Jeunesse Ardennaise. Et aujourd'hui, on va faire un pierre-feuille-ciseau avec Pascal le grand frère. J'espère que vous êtes prêts. Il est peut-être chaud, donc on va quand même faire un petit entraînement avec des gens au hasard dans la rue. Voilà, donc on vous emmène avec nous. Allez mec, vous êtes chaud pour une petite partie de pierre-feuille-ciseau ou pas là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour une partie de pierre-papier-ciseau là? En fait, je vais en faire une avec Pascal le grand frère d'ici une heure. Ouais. Et il faut que je m'entraîne un peu avec des inconnus, donc voilà. Feuille-ciseau. Oh. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseau. Ah ouais. 1, 2, 3, pierre-feuille-ciseau. Pierre-feuille-ciseau. Ah. J'ai gagné. Pierre-feuille-ciseau. T'as gagné. T'as joué? Vas-y. Okay. Pierre-feuille-ciseau. 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 Bien joué mec, pour l'instant je suis un gros loser, là j'ai trois défaites pour une victoire. Ouais, c'est pas grave, on va se rattraper, peut-être que je gagnerai contre Pascal. Oh, j'adore le beau temps qu'il fait dans notre belle région, c'est vraiment agréable. Et je vais faire une partie de pierre-feuille-ciseau avec, et il faut que je m'entraîne avec des inconnus avant. Donc si vous êtes dispo, possiblement. Je suis plus inconnu. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Trouvez quelqu'un d'autre. Oh ben maintenant je vous connais, on n'est plus inconnu donc bye. Papier, ciseau. Bien joué. Pierre, papier, ciseau. Bien joué monsieur. Allez. Pierre, feuille, ciseau. Pierre, feuille, ciseau. Bien joué mec. Du coup là oui, je sais plus trop combien de victoires pour les défaites j'ai, mais je sais que j'ai plus de défaites que de victoires. On va voir pour la suite, il faut que je gagne contre Pascal. Suivez-moi. Bon, ben me voilà avec Pascal le grand frère et on va faire une partie de pierre-feuille-ciseau avec donc comme enjeu, s'il gagne, je vais faire une action sur la sécurité routière et si il perd, du coup... Il fera quand même une action avec la sécurité. Voilà, voilà. Quoi qu'il arrive, il faut une action. Okay, le pierre-feuille-ciseau, on va le faire à ma manière. Ah. Donc le point, c'est je lui mets un coup de poing. le ciseau, je lui mets dans les yeux. Non, enfin bref, voilà. On déconne, mais on va quand même faire ça sérieusement. Du coup, la feuille, je prends une claque. C'est ça. D'accord. Comme Ragnar. Ah, oui, bien sûr. Ou oui, oui. Voilà. Bon, on fait ça en combien de manches? 3. On va déjà faire une première manche, on va voir qui gagne. D'accord. Allez, t'es prêt? C'est toi qui dis pierre-feuille-ciseau? Ouais. Vas-y. Pierre-feuille-ciseau. Marque un point. Jusqu'à 3. Pierre-feuille-ciseau. Il est bon, hein? Pierre. Il y a un mec derrière moi qui te dit ce que tu veux mettre. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Ouais. Pierre-feuille-ciseau. 2-1. Ok. Pierre-feuille-ciseau. Pierre, feuille, ciseaux. Allez hop, j'ai gagné. Donc c'est quoi la question? Quel est le lien entre la sécurité routière et toi finalement? Pourquoi tu fais ça? Alors, ce qu'il faut savoir c'est que, vu les événements surtout actuels, les accidents de la route sont possibles avec ou sans alcool. Alors là, si on peut éviter justement d'être alcoolisé, de prendre le volant, l'idée c'est de se dire quand on conduit, on ne boit pas. Ce soir, en fait, le but c'est d'offrir une formation permis moto. Ça veut dire que normalement, tu es déjà titulaire peut-être de ton permis voiture. Si c'est le cas, c'est-à-dire qu'en moto, on demande plus de prudence. Moi, je suis motard, je suis déjà tombé. Donc la carrosserie, c'est ton corps. Donc il faudrait être hyper vigilant quand on est sur un deux roues. Et l'idée, c'est de faire plaisir à quelqu'un voilà, qui aurait peut-être besoin de prendre un petit véhicule de ce genre pour se rendre sur son lieu de travail. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider soit un jeune, soit quelqu'un qui a perdu son permis aussi, qui n'a aujourd'hui pas les moyens de s'en racheter un autre, de s'en payer un autre. Parce qu'on ne l'achète pas le permis, on le paye. Et l'idée, c'est effectivement d'aider quelqu'un qui en aurait besoin. Ça fait 4 ans qu'on fait cette tournée-là. Et pour être honnête, on est toujours tombé sur des gens bien. Tous les gagnants et gagnantes ont toujours été des personnes vraiment bienveillantes et au top. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on a la gagnante de l'année dernière qui est là. Donc, qui est venue avec son mari. Parce qu'elle a offert le permis de conduire qu'elle a remporté à son mari. Et son mari est maintenant titulaire du permis de conduire. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est une belle aventure. Ça fait un heureux. Ça fait un heureux ou une heureuse. Donc, ce soir, tout se passe à la Marlière. Et puis, j'en profite parce qu'on va parler aussi de la mission locale. Et comme vous savez, moi, je travaille beaucoup avec les missions locales. Si, effectivement, vous ne savez pas trop quoi faire de votre vie, vous ne savez pas comment faire des CV, comment se présenter dans un entretien et comment chercher un vrai job, la mission locale, vous avez des professionnels qui sont là pour vous aider. Donc, surtout, n'hésitez pas
à aller les voir. Posez-leur le maximum de questions. Ils vont être là pour vous diriger, pour vous conseiller et surtout pour vous aider à trouver soit une formation, soit un job. En vrai, je suis chaud pour le faire, le jeu, là. Donc, le but, c'est de ne pas toucher d'obstacle. Okay. Okay. Chaque obstacle est symbolisé par une personne, en fait. D'accord. Si tu as touché quelqu'un, c'est que tu as tué quelqu'un. Arrivé au rond-point, tu dois faire un tour sur le rond-point, revenir, passer par d'autres obstacles, passer en zigzag et mettre la clé dans la serrure. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, mais vous savez pas à quel point ça trouve. Ah. Ah, c'est pas mal, ok, c'est bon, tu portes sur le tennis. Magnifique. Merci. J'adore. Donc là, c'est les lunettes qui font la drogue. Donc là, j'étais sur l'alcool. Même parcours. Oh, c'est pire. Oh, c'est beaucoup. Oh, c'est pire. Oh, oh, la perception est horrible. Ah, bah, un mort. Même dans GTA, je continue. Oh non. Sans tomber, hein. Là, il y a un deuxième piéton, fais gaffe. Parfait. Il me l'a trouvé. Ah, ça marche, ok. Mais bon, beaucoup plus dur. Ouais, franchement, c'est encore plus trompeur que l'alcool. Bon, ben alors, la petite conclusion, c'était génial. Donc, j'ai gagné, comme vous avez pu voir, mais j'ai quand même fait des tests. Les lunettes alcool étaient plus faciles que les lunettes drogue. Mais dans tous les cas, c'était pas facile. Je vous rappelle qu'il est interdit de conduire drogué ou sous l'effet de l'alcool. Et l'alcool est à consommer avec modération. Voilà, c'est tout pour moi. Revanche ? Allez, revanche. On fait une petite dernière. Vas-y. Allez, pierre, feuille, ciseaux. Ah, il est bon, hein. Tu sais ce qu'il vient pour gagner. Ouais. Ok, ouais. Pierre, feuille, ciseaux. Pas cette fois. Ok, pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ah ! Ok, celle-là, c'est la bonne. Pierre, feuille, ciseaux. C'est pas la bonne. Pierre, feuille, ciseaux. Ah, pas mal.